À toutes les unités, restez en alerte. Plusieurs affrontements entre des gangs ont éclaté sur les anciens territoires des Russes. Tout le monde veut sa part. Faites attention, on se croirait en plein western. Centrale, mes informateurs parlent d'un nouvel individu appelé le Caïd, qui essaie de profiter de la situation pour prendre le pouvoir. Personne ne connaît son véritable nom. Vous pouvez chercher plus d'informations sur lui ? Le Caïd ? Génial. Comme si j'avais besoin qu'un autre arriviste essaie de bâtir un empire. Ah, c'est étonnant, ça. Escorte en position autour du convoi. Restez attentifs. On va déplacer cette preuve. Elle intéresse trop de malfrats. Ne vous attendez pas à ce qu'ils nous laissent faire sans résistance. Ouais. Bon, d'abord, on va s'occuper de... Les poils doivent s'accrocher quelque part. De ça, là. Regardez ses yeux. Ils sont terrifiants. Voilà, de ce repère russe. On va commencer par ça. Puis après, je verrai ce que je fais. Voilà, c'est pour aller choper une autre tenue, tout simplement. Et après, je pense que j'irai remonter ma réputation en off, parce que c'est chiant à regarder. Et on continuera le scénario. Parce qu'il n'y a pas de raison. Je trouve ce qu'il y a là-dedans. Mais je suis un incorrigible curieux. Oh oui. Ah oui, on commence comme ça, d'accord, super. On commence, on peut pas s'accrocher. Très bien. Les criminels améliorent leur matériel. Je devrais en faire autant. Oui, j'avoue. J'avoue, mais ça me paraît compliqué. Alors, en principe, il faut pas trop se faire rigoler. Donc lui, il est tout seul là-bas. Allez, je le vois. Ah non, t'es pas sérieux. Ok, bon, ça fait un de moins. J'ai laissé tes narines libres pour que tu ronfles pas. Inutile de me remercier. C'est bien aimable. Il est où l'autre ? Ils sont deux normalement. C'est celui qui est là-bas ? D'accord. Bon, je vais juste faire un petit passage dans les améliorations. En vitesse. Ok. Un amateur. Oh non, je suis seul. Merde.
Tout va bien. En espérant qu'il se retourne pas. Là ! T'es sérieux ? T'es sérieux ? T'es sérieux ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ne me torture pas, Spider-Man ! Viens te battre ! Non, j'ai pas envie. Hop. Et hop! Je les ai tous eus. Alors. Ah bah oui, d'accord, celui-là on le connaît. Oui, allez, on l'enfile. Je sais plus avec quoi il correspond celui-là. Mais en gros, c'est une armure. Il est renforcé, tout ça. Moyen d'y aller. Ah oui, maintenant je vois les pages de comics sur la map, d'accord. Avec les... Avec les améliorations que j'ai fait. Des plates. Fini la prise. D'accord, donc c'est Ça partira avec un peu d'eau froide. D'accord, c'est la merde. Ok, ça c'est un peu compliqué. Ah, il y a des tourelles, putain. Il y a des tourelles. Très bien, bon, j'ai baissé un peu mon niveau de menace, même s'il monte un petit peu tout le temps en fait. Merci Jameson, on va dire. C'est sympa de nous aider. On ne sait même pas ce qu'on transporte, juste que c'est dangereux et que les gangs le veulent. Mais de rien, les rues de cette ville sont déjà bien assez dangereuses comme ça. Exactement. Genre subtil,
Hop là. Tranquillou. Hey Spider-Man, je trouve ça un peu suspect, pas vous? Oh bah dis donc. Des grenades. Relax, c'est la cargaison qu'on fait. Tu risquerais ta peau pour ça? Bah évidemment que je risquerais ma peau. Waouh, j'étais au top! Non, monsieur le méchant inconscient, j'étais plutôt bon, pas vrai? Bon boulot, Spider-Man. Grimpez, j'ai comme l'impression qu'ils vont envoyer des renforts. Ok. Spider-Man! J'ai comme l'impression que tu vas avoir un Oscar. Des bombes dans des voitures. Il faut que je les désamorce. Ouya, trop fort. Ouh, mieux vaut qu'elles explosent en l'air. Clairement. C'est des grosses bombes. Des feux d'artifice pour tout le voisinage. Oh. Et descend, dernière chance. Allez les gars, déchargez vos châteaux de suite. Voilà pourquoi on me trouve génial. Casse-toi. Bon sang, enlevez-moi ça. Oh, pardon. Bien joué, Spider-Man. Venez, merci. On doit repartir. Voilà pour plaisanter. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont tenaces. Bombe. Si elle explose, ce sera un désastre. C'était sympa. On recommence. Merde, j'ai raté le camion. Tout va bien, je crois. J'espère. Une ligne droite aurait suffi, non? Centrale, voiture 228. On est allé au musée Kane. Rien à signaler. On a parlé à cette femme. Elle nous jure qu'elle a vu Spider-Man entrer dans le musée. Mais c'est fermé à double tour et aucune alarme n'a été déclenchée. Bien reçu, 228. Ça doit être à force de lire les articles de Jameson. Oui. Le musée Kane, c'est pas loin. Je vais aller jeter un œil. Ma réputation a déjà assez souffert sans ajouter le vol de tableau à mon actif. Oui, c'est clair que voilà, quoi. Très bien. Qu'est-ce qui se passe ici? Ce serait pas notre cher ami Oui, je pense. Hein. Je pense que c'est notre cher ami. Non, de toute façon, je veux pas Peter, je veux Spider-Man, ok? Sombre con! Oh pardon Orion, je t'ai réveillé. Je suis désolé. Je parie que ça vaut un paquet. Pas tous.
Faut suivre le plan. On attend l'araignée. Si tu rameutes les flics en déclenchant l'alarme, c'est pas le pognon qui te sauvera du caïd. Ah, c'était une fausse alerte. Et... ils essaient de me tendre un piège, cette bande de crétins. Dites-moi que je rêve. Je devrais couper les caméras, sinon les flics vont me coller ça sur le dos. Voyons ce que je peux faire avant qu'ils réagissent. Ce que je m'apprête à faire pourrait choquer la sensation. Qu'est-ce qu'on fait dans un musée? Ça craint comme endroit, ça me rappelle l'école. Vous ils sont nombreux. Au musée, en maison de correction. Ferme-la et fais ton boulot. Oui, ferme-la. On aille au musée, on va au musée. Honnêtement, c'est mieux si tu la fermes. Il y a plein d'objets de valeur ici. Génial. Je crois savoir sur qui je vais tomber. Claire t'avait dit que tu pourrais devenir ce que tu voulais. Elle avait tort. Oh non. Si t'étais debout, tu serais impressionné. Vraiment. Qu'est-ce que... Pas d'acrobatie. Tu vas te battre comme un homme. Très bien. Bon, ils ont l'air cons. Et ça m'arrange. Bam ! Il est là ! Bon bah j'ai rien dit. Ils sont pas si cons. Minou, minou, minou ! C'est pas ta faute ! T'es pas ! T'es pas ! Ok, t'es mort. Je tiens l'araignée ! C'était quoi? Felicia, ça ne me surprend même pas. Et bonjour. T'aurais pu te mettre avec moi. Je veux dire, Tali et à moi. Oui. Jouer les justicières, nous jouer les criminels. C'est dans ma nature d'enfreindre les règles. Tu devrais essayer. Je suis sûr que tu es. Travaille avec le caïd, Felicia. Le crime organisé. C'est pas ton genre. Non, et toi, tu es tout à fait mon genre. On parle pas de ça. Bonne nuit. Déplace toujours aussi lentement. Non mais, à quoi tu joues? Ici, il est pas ici. Qu'est-ce qui se passe? On doit affronter l'araignée tout seul ou quoi? T'étais censé... vous aider, la chatte. Que ça vous serve de leçon, les gars. Si vous suivez une fille juste parce que sa combinaison de chat lui va bien, vous risquez d'être très déçu. Ah oui, complètement. J'aimerais te faire confiance, mais tu n'as pas été très sage. Us. Voilà. J'ai peut-être un avenir là-dedans. Oui, j'avoue. Ok, c'est Flash. Que je m'appelle comme une gentille petite fille, que je sorte quand je serai toute ridée, très peu pour moi. Tu dis que c'est le caïd qui t'a fait sortir de prison? Il a vraiment un tel pouvoir? C'est tout ce qui compte. Hein. Le pouvoir, le sien, le tien,
Et le mien. J'allais rester planté là. Je commence à croire que tu ne fais aucun effort. Us. J'aime te regarder entrer dans une pièce. Mais j'aime encore plus te regarder sortir. C'est dégueulasse. Tu rends compte de ce que tu dis? Moi j'ai combattu un type, c'était un vrai loser. Il était quand même meilleur que toi. Non. J'ai déjà dit que j'aimais bien regarder. Ok. Je t'ai vu, juste trouver un point de d'accroche intéressant pour te... Papa. Te meuler ta gueule. Ça, c'est ce qu'on dit, hein. Tu es à moi. Maintenant, tu sais ce qu'on ressent quand on se cache dans l'ombre. Coucou. Si ça peut te remonter. Ah mais d'accord. Ça devient agaçant. Pile ce que je voulais. C'est toute ta faute. Tu n'es pas. Tu n'es pas. Ok, t'es mauvais. Boum. Boum. T'as hâte de mettre la main sur moi, hein. Pas vrai. Stolake. Je sais que ce n'est pas toi, Felicia. Dis-moi ce qu'il t'a fait. Oui, parce que là, t'es clairement amélioré. Hein. On m'a transféré à Ravencroft. Le Caïd est venu me voir. Soyons clairs, il s'agit de Wilson Fisk. Oui. Il m'a dit qu'il savait que je cherchais le pouvoir et qu'il pouvait me le donner. T'as une dette envers lui. C'est comme ça que ça marche, pas vrai? Les médecins ont mené des expériences. Ils appelaient ça... la manipulation génétique, le croisement d'ADN. Croisement génétique. Soldat génome. Tu avais vu le résultat. Pourquoi t'infliger ça? T'es long à la détente. C'est pour toi que je l'ai fait. Je voulais te ressembler, pour qu'on soit ensemble. Mais le Caïd m'a menacé. Soit je te tuais, soit je mourrais. Mais j'ai pas pu. Comment j'aurais pu? Felicia, je... je sais pas quoi dire. Ne dis rien. C'est pas ton visage qui m'intéresse, juste tes lèvres. Ah la meuf. Est-ce la qu'on peut faire le bateau à moteur? Tu seras protégé, une nouvelle vie, à l'abri du Caïd. Et... peut-être... peut-être qu'un jour, on pourra faire connaissance comme... des gens normaux. Je veux pas être comme des gens normaux. Viens avec moi. On partira loin d'ici. Avec nos pouvoirs, on pourra vivre comme des rois. Aventure, sensation forte, amour. Bateau à moteur. Mais ça n'a pas l'air de t'attirer. Si, mais j'ai des responsabilités. Et j'en fais pas partie.
T'inquiète pas pour moi. J'ai l'habitude d'avoir des méchants à mes trousses. Je peux pas te laisser partir. Fisk a la police à sa botte. Si je me fais arrêter, je suis morte. Je sais parfaitement que tu feras jamais une chose pareille, pas plus que moi. Si un jour t'as envie de prendre du bon temps, fais-moi signe. Félicia, attends! Ok. On a débloqué un nouveau costume encore! Je comprends tout. Fisk s'est servi de sa brigade spéciale pour se débarrasser de tous ses rivaux et devenir le Caïd. Et voilà. Et le public lui en est reconnaissant. Il signe quelques chèques et tout le monde ferme les yeux. Mais ce n'est pas seulement la brigade. Moi aussi, j'ai éliminé ses ennemis. Et celui qui m'a aidé à les traquer, c'est Kraven. On va juste désamorcer cette bombe et on se quittera là. Si j'approche de cette bombe, je parie que je pourrais la sentir. Il y a un endroit sûr pour la mettre, au fond de la rivière. Eh oui, au fond de l'Hudson. Accélère, Spider-Man. Easy. Les experts annoncent que la bombe était piégée. Spider-Man a donc c'est une bombe. Sauvé des civils, mais aussi les démineurs. Ah, elle était piégée dans ce sens-là, d'accord. Oui. Bon, en tout cas, nous on va se quitter là et on se retrouvera la prochaine fois. Et déjà pour. Ah oui, on sait sûrement plus que quiconque sur Fisk. Oui, déjà pour changer de costume et ensuite pour continuer cette histoire fabuleuse. Donc je vous fais des bisous et des bisous.